Alors aujourd'hui, ça sent l'automne, et l'automne, c'est les champignons. Alors moi j'ai pris des girolles, mais on pourrait le faire avec des morilles si vous avez une bourse qui est bien remplie. Mais on peut le faire avec les champignons de Paris, c'est des champignons qui sont magnifiques, qui sont très gustatifs. On pourrait faire la même recette. Alors pour moi les champignons, ça suffit. C'est pas la peine d'aller rajouter grand chose. Ils sont déjà bons naturellement, ça c'est des champignons de qualité. Et je les adore tout simplement poêlés, sautés, avec un peu d'échalote, un peu de ciboulet. Et surtout, tu y casses dedans un jus, le jaune d'œuf cru, que je mets au milieu. Et quand on va les déguster, on casse l'œuf, ça fait une liaison du champignon. Et l'œuf cru dans le champignon, c'est suave, c'est goûteux, c'est Alors, c'est très simple. L'important, c'est d'avoir un champignon bien propre. Parce que quand on a des champignons, ça fait... C'est désagréable. Rien de simple, c'est pas bon. Laver les champignons, c'est facile, mais il y a une technique. Grand volume d'eau, tremper les champignons, les remuer, et à l'aide d'une aiguille noire, on les égoutter. Les mettre dans une passoire, et recommencer l'opération au moins deux fois, voire trois fois, selon la propreté du champignon. Après, très simple, on prend une poêle. Un poil, j'ai mis la valeur de la cuillère à l'huile d'olive, une cuillère à café, je vais y verser. Du coup, la poêle est super chaude, donc je vais y verser. Alors, je vais y verser les champignons dedans. Dans une poêle bien chaude, tu les mets. Pourquoi pour ça, une poêle bien chaude. Alors, c'est pareil, quand tu fais les champignons, souvent à la maison, on a tendance à mettre des grosses épaisseurs. Non, il faut les champignons, tout simplement qu'ils aient une seule épaisseur. Il faut étaler. Voilà. Bien sûr, pas oublier de les assaisonner. Et comme je suis légèrement chauvin, ici on assaisonne tout jusqu'à la fleur de sel de salice de Béarn. D'accord. Joli petit village dans le Béarn. Alors c'est un sel qui est très, très agréable parce que c'est un sel qui est minéral. C'est pas un sel marin. D'accord. Vous savez que c'est une saveur différente. Bien les assaisonner. Le champignon a besoin de goût. Hein. Et le sel et le poivre qui viennent, c'est la base. Et bien sûr, un moulin à poivre. Ne jamais prendre du poivre moulu. Parce que c'est évaporé, ça n'a aucun intérêt. Ah ouais. Il voilà. Faut garder le parfum des poivres. Et là, on va les laisser. Voilà. On va les laisser tout doucement, tout doucement. On retire. Pendant que ça cuit, je vais préparer. On va se couper du reste. Du reste, très très simple. C'est très très simple. Dans la ciboulette. L'intérêt, c'est l'élastique. C'est vrai. Parce que l'élastique sert à quelque chose. Il ne faut pas l'enlever. Hein? Je la ramène, ça me permet de serrer. Sinon, si je les enlève, les brins de ciboulette, ils partent partout et c'est difficile à couper. D'accord. Avec l'élastique, mine de rien, c'est une petite astuce et ça permet de les tenir. Donc tu la remontes. Voilà, je la remonte. Et ça bouge, je la remonte. Seconde astuce du cuisinier, quand on a des planches et que les planches bougent, on y met dessous une feuille de papier ou même un torchon. Pour ça pas permet, que ça bouge. Voilà, ça permet d'être plus stable. Et donc là, je vais mincer le plus finement possible. Alors la ciboulette c'est à l'intérieur, mais on pourrait très bien mettre de la cive. On pourrait mettre très bien mettre un verre aussi d'oignon nouveau. D'accord. Et quand j'arrive à mon élastique, je vais la descendre plus bas. Et comme ça, je tiens toujours ma ciboulette. Et puis le second avantage de faire ça, c'est que là j'en ai assez quoi pour faire une portion. Franchement. Ça. Dans mon frigo, la ciboulette ne va pas bouger. Et une astuce pour conserver des herbes. Donc, papier journal, humidifié dans le bac à salade du réfrigérateur. Et tu les gardes sans aucun problème 2-3 jours. D'accord. Papier journal humidifié. Ça permet de la conserver. Je passe voir. Alors là, ils sont rentrés tout doucement depuis. Enfin, on voit qu'il y a un peu d'eau de végétation qui a disparu, qui apparaît. Là, justement, je vais les laisser. Mais en fait, l'eau de végétation, c'est le goût du champignon. D'accord. Alors souvent, quand nous on veut récupérer cette eau de végétation pour faire des risottos, pour lier des pâtes, on égoutte nos champignons pour récupérer l'eau. Mais l'intérêt de là, c'est qu'au contraire, on va la laisser réduire. Et ça va, en fin de compte, ça va enrober les girolles et ça va corser à nouveau le goût des girolles. Alors dis-moi, là, pour toi, c'est une portion pour une personne? Ça, c'est une portion pour une personne. D'accord. Une bonne personne. Il y a quoi? Il y a 200 grammes de champignons, Là, c'est une portion pour une entrée. D'accord. En gros, 100 grammes de champignons pour une entrée. Faut penser quand même qu'on va mettre un jaune d'œuf entier. Oui, c'est quand même nourrissant. Voilà, le jaune d'œuf est nourrissant, là ça fait une petite entrée. D'accord. Donc là, j'ai fait mon échalote, ma ciboulette. Pendant ce temps-là, je vais faire mon échalote.
Donc c'est un œuf, 100 grammes, une échalote, ouais, une demi-botte de ciboulette. Même pas, non, même pas. C'est une cuillère à soupe de ciboulette. Faut faire attention aussi, parce que c'est comme un condiment. C'est un équilibre. Si je mets trop d'échalote, trop de ciboulette, ça va être trop fort, ça va m'emporter. Le verre quand même, c'est que je garde ce goût suave. De... Et là, je mets la soupe de lait. Je suis toujours admirative la façon dont les chefs... Nous, on le fait tous les jours, donc à un moment donné, c'est ça. Ouais. Alors, il faut faire une chose importante aussi, quand on travaille comme ça, de l'échalote et de la ciboulette, étant donné que c'est un très fin, quand on fait les champignons, c'est les deux choses qu'on va mettre en dernier. D'accord. Si tu les mets trop à l'avance, l'échalote, les choses se crament. Montre-nous la couleur. Donc là, quoi, ça fait... C'est l'intérieur, c'est les champignons. Il faut savoir une chose qui est importante pour tous les champignons, c'est que ces champignons, soit tu les manges cuits en salade, ouais. Et tu ne les manges pas mes cuits. Tu les manges cuits. Parce que les champignons, l'amour, le sel, la girole, quand c'est bien cuit, les saveurs ressortent. Sinon, ça a tendance à être un peu insipide. Il ne faut pas avoir peur de les cuire. Souvent, un des gros défauts, qu'on a tendance juste à les poêler en 2 secondes, et ça n'a pas de goût. Voilà, bon là, on va les laisser encore un peu caraméliser, tout doucement. Tout le jus de champignon s'est évaporé, on a réincorporé le champignon, et là, il commence à être légèrement croustillant. Ah ouais, génial. Ouais. Là, tout simplement, là, on va y ajouter en premier l'échalote, l'échalote ciselée. Ça a la valeur de quoi? Il y a deux cuillères à soupe. Hein. Ouais. L'échalote ciselée. Là, hop. Pendant une petite minute, et c'est pareil, important aussi, c'est la ciboulette. La ciboulette, on la met vraiment à la dernière minute. Mais sinon, ça devient amer. Ça devient amer et ça va perdre complètement ce côté visuel du verre. Là, hop, parfait. Là, je vais y rajouter maintenant ma petite ciboulette. Moi, je crois que la première fois que je suis venue à côté, tu venais d'ouvrir et il y avait. Ça commençait par un potage au pois chiche. Ouais, c'est vrai, on peut pas en bas. Voilà. Là, si vous voulez, là, je vois juste. Hop. Et là, tu vois, hop. Juste la mélange, je l'avais pas. Et là, tout simplement. La couleur, oh là là, les arômes. Ah, le nez, c'est à tomber. Une merveille. Là, c'est un peu plus simple. Oui, c'est vrai que ça fait déjà bien copieux. Hein. Ouais, ça te fait une jolie entrée. Ça fait une jolie entrée, ouais. Ça te fait l'œuf, quoi. Faut penser à l'œuf. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est une jolie entrée. Donc voilà. Là, tout simplement au milieu, je vais quand même préparer un peu mon petit puits. Hein. Mon petit puits. Ouais. Les clients au comptoir, ils vont me demander ça. On le fait régulièrement. Enfin, j'aime bien le faire. Non, mais là, ici, pas au comptoir à côté, là, ici. Et là, tout simplement, je prends un jaune d'œuf. Tu préfères mettre celui qui est froid? Parce que l'œuf va te mieux tenir. D'accord. C'est pour la faute, c'est pas la vision de... D'accord. Ouais, mais tu peux prendre un œuf à température après. Et là, tout simplement, je l'ai cassé. Un peu de sel. Un peu de poivre. Un tour de poivre. Maintenant, il y a ce que je vais vous dire, c'est bon appétit. Hein. Bien sûr. Hein. Allez. Voilà, très légèrement. Voilà. En fait, quand le jaune, c'est la sauce. C'est la sauce. Mmh. C'est pas bon. Il y a le craquant, la ciboulette qui est un peu. Sans les petits bouts de ciboulette, les champignons fondants. Et l'œuf qui coule en bouche. Une merveille.